l'approbation de l'amour de ce futur conjoint. Estou aqui esta noite como uma pessoa que vai testemunhar essa grande representação desse casal. Je suis la guerre aussi pour ceux qui ne me connaissent. Oh, meu nome é Laguerre aussi para todos aqueles que me conhecem. Thank you.
Deixar o seu pai e a sua mãe para se juntar com a sua mulher, os dois vão formar só uma carne. A tua atenção, por favor. Promessa do mariage. Promessa do casamento. Il y a promessa do mariage entre quelqu'un de la guerre. Promessa do casamento entre quelqu'un de la guerre. Do Leon au fond Vietnam. Que está morando em Fundo Branco. Comuno de quem está morando aqui agora no Joinville. Identifique o número. Identificando o número 704-065-962-952-24. Major de licença. Maior do nascimento. Fils de Monsieur Louis Laguerre. Filho do Senhor Louis Laguerre. Está morando em Benin. Ele está vivendo na comuna de Fondo Branco. E de la dame Sylvienne Meillant. Ele da esposa Sylvienne Meillant. Le Laurent et le Monsieur au fond des plans. Tu ne veux pas? Está morando agora em Fondo Branco, no Haiti. Il ne veut pas? E do outro lado. La sœur Linda Pierre. A irmã Landa Pedro. Morou em Porto Príncipe, agora está no Brasil, no Joinville. Identificada o número. 014-16-009-83. Maior do nascimento. Filho do Senhor Exilio Pierre. E filha do Senhor Exilio Pedro. Vivendo em Leogarde. Namorando em Leogarde. E vivendo nos Estados Unidos da América. E que está vivendo nos Estados Unidos de América. E do Adam, Madonna Bernard. Da mulher Madonna Bernard. Vivendo em Leogarde. Está vivendo em Leogarde. E vivendo a Port-au-Prince. Está vivendo agora em Porto Príncipe. Se alguém conhece esse empêchimento, se alguém tem, se você já sabe algum impedimento, para que essas duas pessoas sejam casadas, que a pessoa revela agora mesmo, mais para frente, você vai poder fechar a tua boca para todo sempre. É a última publicação aqui no Joinville. Feito este sábado. 13 de abril, sábado 2019.
C'est pour cela. É por isso. Je vous invite à vous lever en chantant. Eu convido você para ficar de pé cantando. Le numéro 113 est une joyeuse. O número 113 é melodia de gozo. E a música é sua. E é o meu motivo. Adeus seja a glória ao seu Senhor. Adeus seja a glória ao seu grande amor. Oh.
professor. Obrigado, professor. Thank you.
Mesdames, Messieurs, mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur, le parlant des futurs mariés, l'Église en général, bonsoir. Renaud, Joseph, plutôt. Ici, c'est l'église, non, c'est mon église. L'église de Fébé. Et vous, les infirmières, c'est avec vous ce soir pour cette célébration. Sans vous garder, je vous dans l'assemblée de se lever pour la lecture, s'il vous plaît. Aujourd'hui, Genèse chapitre 2, verset 18, jusqu'au verset 27. Genèse. Commandez avec l'assemblée à s'il vous plaît. Faire un petit camp de bouteau pour l'esprit de la parole de Dieu. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide assemblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Pour voir comment il vivra, portant le nom qu'il lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel, et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Qui s'endormit, il prit une de ses côtes et reforma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte et il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici en cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus. Et ils n'en avaient point honte. Parole du Seigneur. Je vais vous dire que ce qui passe entre les hommes va bénir pour nous cette portion de lecture à soirée de l'air. Une telle cérémonie lui demande à tous les chacun qui sont ici présents de bien saisir cette cérémonie. Si vous êtes invité, ce n'est pas une messe à faire. Ce n'est pas une chose légère. C'est le mariage. Mais entre-temps, c'est quoi le mariage? Souvent, on parle de mariage, mais on n'a pas porté attention à une signification propre à ce sujet. Le fondement du mariage. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. C'est pas pourquoi la femme quittera son père et sa mère. C'est l'homme qui quittera son père et sa mère et s'attachera à mettre la femme. Le mariage fait donc partie du plan de Dieu
Dieu est le fondateur principal du mariage. Tout le monde qui est marié, ils ouvrent une porte, ils font le premier pas pour le royaume de Dieu. Ah, maman, qui est-ce qui est marié, qui n'est pas marié? Mais chaque monde qui est marié, son porte qui ouvre, son fenêtre. Je dis quand c'est d'ailleurs au travers de cette union que la terre devait remplir au fur et à mesure. C'est à travers le mariage que la terre a pris pour vous devoir, pour le remplir au fur et à mesure. Chaque monde qui est marié a des droits, a des devoirs pour venir avec mon bébé et faire plusieurs petits mondes pour que la terre soit remplie avec nous. C'est peut-être ça. Bon Dieu lui bénit le mariage dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Le mariage est appelé à durer tant que vient de deux conjoints. Le mariage est interdit solide. Je vous dis à chacun qu'à mon plaisir, vous mariez, mariez-vous n'importe quoi, n'importe comment. Mais le mariage est indissoluble. Ce n'est pas que marié jeudi, divorce demain. Pas que marié jeudi, à le placer demain. Le mariage reste le mariage. Le mariage. Si je dis à vous-même qui êtes marié déjà, si vous plaisez ou d'apprendre, nous avons marié jeudi à son plaisir, à partir de maintenant, c'est possible. Pour les pasteurs qui sont sous-côtés, vous allez faire trop pour vous, madame. Parce que, quelle que soit la raison pour l'autre, on va forcer vous marier. Marier son engagement, son sentiment, c'est pas l'argent qui fait vous marier, c'est pas la famille qui fait vous marier, c'est pas bien intérêt qui fait vous marier, c'est le remède. Avant le mariage, c'est le remède. Ça fait que quel que soit monsieur ou madame qui dans sa langue, vous ne pouvez pas d'écouter monsieur dame Sarayo, à savoir Frère Jackson, et puis la guerre, et puis c'est là, comme on va avoir les yeux, par exemple, la garder, et puis un souci clair, ouais. Il faut commencer à vérifier et bien identifier est-ce que c'est choix à nous. Le mariage, donc il faut un mariage pour plaisir. Mais pour mon Dieu, c'est sérieux. Dans Romains chapitre 7, verset 2, pourquoi? Si le mariage est appelé à durer tant que de vivre les deux conjoints. Mais qu'est-ce qui constitue, selon la Bible, le mariage? La Bible ne dit pas clairement à partir de quand un couple est marié et devant Dieu. Il a trois points de vie courants pour que le mariage soit lunaire. Premièrement, c'est un couple qui est marié devant Dieu. Dès lors, le mariage a une valeur légale et officielle. Pour mariage légal et officiel, le premier mot pour le mariage, du pasteur divin, c'est Dieu. Deuxième mot pour le mariage, c'est l'État. Troisième mot qui besoin de mariage là, c'est l'église. Je dis à son rire nous a fait. Depuis le verset, il sonne. C'est ça. La guerre des rapports avec ses élites sur nos vies. Il est chez lui. Sans toi, ma vie est cachée. C'est l'élite qui sourit ma vie. Il est content. Il n'a pas senti. C'est pour la première fois des mecs verts qui commencent à citer le nom. Frère la guerre devenait un poète pendant qu'il avait dit le sentiment. Alors dit, le mariage c'est le sentiment, c'est pas l'argent. Le mariage c'est pas la prospérité d'abord, mais c'est le sentiment. Tout le monde qui m'a marié pour la prospérité, c'est la réussite. Après 5, 10 ans, 15 ans, la dissout quand même. Mais le mariage, c'est le sentiment. Et puis, pendant ces étapes, il m'a dit. De commencer à tirer vers lui, parce que dans Genèse, chapitre 2, les Adam
tu vois tous les bétails, les animaux, les oiseaux du ciel. Non. Adam s'en dit triste. Adam était dans une condition comme s'il n'est pas complet. Voyons son sentir pas complet. Vous avez besoin de l'univers sans sentir complet. Pendant que Adam et Eve étaient dans le même garde, mais pas complet. Son réconciliation générale a fait là. Et va profiter pour dire chaque monde qui n'a pas de propre marié, ou pas que madame son ami ou même. Parce que c'est le mariage qui est en engagement. Ce n'est pas le passage. Vous avez ça qui a décidé de partir de votre tête. Ils sont tirés de lui. Mais quand vous mariez, nous deviendrons une seule chair. Ou pas qu'à sortir des chairs. Ou pas qu'à sortir des os. Grand groupe pas qu'à faire courir. Les adultes ne baillent tout, bêtis ou non. Il garde lui, il faut couder sur lui-même. Il ne veut pas sembler avec Bétio, comme il est triste. Il est senti affligé. L'éternel des abeilles. Il garde Adam et Adam triste. Il endormi Adam. Est-ce qu'il va revenir sur la vie? Nous là les témoins. Et vous là, il faut le mettre pour lui. Il va revenir sur la vie. Il sentit affligé. L'éternel m'a dormi Adam, il m'a coté dans Adam et puis il formait la femme. Dieu a créé l'homme et il a formé la femme. Et puis il a sorti, pendant que Adam tombait au côté, la parole est avec Ève. Pendant Adam était triste, Adam sourire. Oh non. Pendant Adam était triste, il lui est fiabilité. Ça fait. Les sourires, ça veut dire, les ouais zola, là, les ouais côté, les ouais chêne là, les ouais vous qui semblez avec là. Mais je dis à ça va empêcher mon mari avec. Vous voyez d'accord? Ça va empêcher des garçons mariés, ça va empêcher des filles mariées. Mais mon Dieu crée l'homme, il dit, ma belle fille à la vie nous seul, il va dire, des jeunes garçons, où on souffre. Il va dire tout des petits souffles, car il dit nous. Mais il dit, mon garçon, enfant, Adam, ouais, il y a des souris. Est-ce que c'est moi qui souris? Eh, c'est l'onda. Faut couler. Demettez-nous. Est-ce qu'on sourit? Les filles sourient, ça veut dire quelque chose. Tout le monde où on sourit, va dire, c'est comme si nous n'avons pas de Adam sourit, il dit ça c'est quoi bam, ça c'est chez bam, ça c'est dans la vie. Mais comment Adam a eu le regard de Dieu? Ça veut dire que Maria a commencé depuis le début de la vie. Vous êtes déjà marié, mais vous avez cette bénédiction qu'a fait. Les autres dans les tables de la cadeau de la monnaie, vous avez gardé, vous avez puisque son principe étatique, vous n'êtes pas toujours reconnaître parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un. Voilà, vous faites ça, nous m'avons dit déjà depuis le début de la vie. Mais vous n'avez pas de bénédiction. Ça va dire là, c'est comme ça. Donc, quand vous comprenez, automatiquement, vous avez passé sur le diable. Vous avez fait une bénédiction, Maria? Je ne peux pas. Si vous êtes capable d'en aller, d'un coup, est marié devant Dieu, et dès lors que les unions se font, il a fait à l'objet d'une cérémonie de mariage formelle. Qui fait de votre 5 mariages. Qu'on est au Canadien qui fait 22 mariages ou 22 mariages à l'oubli. Chaque mari fait avec un nom différent. Mais la Bible dit, tout le monde qui marie, qui crée madame, ou à l'autre fille, ou à Bible a dit, la tigre. Et vous mariez, vous quittez madame, donc pour divorcer son frère, ou à l'autre monde, tous les témoins, ça va bien a dit, mais les salariés, les 4 mois, c'est bon. Mariage. Si vous ne pas marié, je n'en dis pas. Hein? Ah, n'est pas mangé, monsieur. N'est pas mangé. Si vous n'avez pas mangé, il marie ses parents qui ont pris ma vie. Si plus mineur, c'est l'État pays qui a pris ma vie. Mais à partir de 25 ans, vous n'avez pas de responsabilité. Pour le marier, parce qu'il est avec un monde. Et nous commençons à réfléchir. Un couple
homme est marié devant Dieu dès lors qu'il a des relations sexuelles. Mais nous ne pouvons pas permettre que nous puissions marier. C'est sa fille qui a un garçon à l'air. Parce qu'il me semblait qu'on puisse être là pour mourir. Si nous devons la dégager, pas de nous. Donc, il y a une machine au Brésil pour la vérité, c'est la génère qu'on avait là, tu vas voir. Mais pour bagaille qui peut s'attirer, qui peut mettre un chiffre fou, qui peut mettre une sensation, ces phases sexuelles-là. Il y a un peu de monde qui m'a dit, c'est l'homme-là, et pour y mettre un réhabilitement, ou mettre des séquilles, marais, ou mon autre chapeau dans la tête. C'est ma côté. Ma ne va se dire on l'autre bagaille, on a la CBC qui chef. Famille, votre famille. Famille, vous mettez dans le cas, qui devait se faire de la fête de monde. Parce que vous engagement. C'est le mariage. J'ai déjà vu le verset 26 à 28. Il dit que l'homme marié, il faut marier là pour des fruits, il faut le fructifier. Si vous mariez, vous êtes l'autre bagaille. Mais pour nous, pas la fois, on a des gens qui est sexuel. Quand il faut marier, on dit que mari déjà ne sont pas connus dans nos vies. Nous marions avec des esprits démoniaques, des esprits d'Adamite, des esprits libres. Mais nous-mêmes, étant des serviteurs et servants de Dieu, nous avons un engagement de prendre devant pour Dieu, devant les hommes et devant l'État. Il faut respecter ça. Nous sommes jeunes garçons, jeunes filles, mais nous avons un aspect grand parce que nous ne pouvons pas le mariage. Si nous ne pas marier, c'est une sentiment pas capable, pas pour chercher ça. Marie depuis 2008, en 2019, jusqu'à présent, l'État est plus assez pour lui. C'est pas parce que c'est dans le boucher ou entré, c'est dans le cas. C'est pas parce que c'est dans le ciel ou entré, dans le paradis céleste, c'est pas parce qu'il y a des. C'est pour que nous sachions les deux hommes. Son côté au bas, son expérience, quand l'esprit de Dieu va éprouver nous. Vous dites après le mariage pour les difficultés. Mais il faut attendre avec les difficultés au capitaine. Toute relation peut comprendre comme si tu fais 50 ans remé, qui n'a pas de jambes pour nous via, qui n'a pas de jambes pour nous. C'est lorsque vous avez un commencé à gonfler. Puis il y a un monde qui gonfle. Mais j'ai compris que vous avez un monde avancé pour moi. Est-ce que ça a cassé ou non? Hein? Vous ne comprenez pas. Qui vous n'avez pas dormi, c'est ouvert une école, mais il n'y a pas d'accord pour appeler le rôle pour être soumis. Vous pouvez accepter. Parce que je ne vais pas vous dire aux gens qui ont des esprits. Le mariage, c'est tout ça. Dieu Tout-Puissant institue le mariage. Ce n'est pas la famille qui institue le mariage. Ce n'est pas l'argent qui institue le mariage parce que l'argent va travailler tout à l'heure. Qui va gagner l'argent va acheter. Ou acheter en pile médicaments, ou va acheter santé. Est-ce que l'argent va être santé? L'argent va être santé. Donc on peut acheter au mariage, on peut acheter à l'assemblée, à revenir au pays, au revenir à l'amour, on ne peut pas acheter l'amour. L'amour vient de Dieu parce que Dieu institue le mariage. C'est pourquoi le couple doit mettre tout le meilleur de lui-même pour atteindre le but de leur existence. C'est pour que c'est la prévédice. Tout ça au gagné pour atteindre l'objectif de lui-même. Donc, vous faites tout dans les salaires pour avoir des prospérités. Puis après, vous commencez à monter pour qu'on dans la caille là. Vous n'avez pas la tuer. Si vous n'avez pas la tuer, t'es défié à commencer. Non, je vous vois là. Est-ce que vous avez permission pour lever une bonne là? Pas de permission? Mais vous avez permission pour lever une permission pour lever une bonne là. En tout cas, il faut que vous ayez un voile là pour vous. Il faut que vous ayez un voile là pour vous. Regardez-le parce que ça va y aller fort. Hein? La femme doit soumettre et soumission. Pour moi, elle a une mariage, il faut qu'elle soumette. Soumission. Marie va exister sans soumission. Il dit femme, non, mais je soumettre devant moi, devant Marie. Donc j'en ai plus soumettre devant moi, devant mon fils. Mais si vous avez regardé, c'est son bon marché. C'est regardé, c'est. Il y a tout ça, si par la main, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de soumettre. C'est là, il faut dire que nous avons un mari au bien. Il faut d'accord obéir, sinon la volonté de Dieu. Je dis que la femme doit se soumettre à son époux.
L'entourage en doit éviter de désigner le couple. Que vous se voir, c'est qu'à pas de la supporter, vous allez donner poison dans le voisin pour vous faire utiliser. Malé à vous qui peut être vous faire utiliser par la nazi. Je ne sais pas si vous avez fait ça, mais je ne sais pas parce que vous avez une division. Il dit, malé à vous qui désigne, ça vous dit, ça vous dit. Vous allez voir qui fait. Sans les bouquins de frère, le sol, c'est les bouquins de vos filles. Vous avez besoin de vous. Oula. Selon Matthieu 7, 24, 27, ces versets sont parfaitement applicables dans le mariage. Face au mariage à Jérémie. Il dit, mais s'il y a besoin d'un chéri, l'église a plus mal que vous entendez. Mais s'il y a besoin de faire un chéri, madame. Madame a besoin de caresser. Qui est-ce? Je ne sais pas qui est un mariage comme ça. Ah, mais c'est ça, utilisez le mariage ici. Donc, il n'y a pas de mariage ici, c'est ça. Si pas de mariage pour mari, mari n'est pas de mariage pour madame. Pas de relation. Et c'est là pour être un espace pour nous vivre, c'est pas ça, le monde a parlé. La parole sera également très utile afin de régler les conflits d'une ou une manque. Alors, qui ne manquent pas de la vie. La parole, le dialogue. Vos mariages, le dialogue, c'est une plante qui va grasser. Son vieux bois, son feuille, il va parler soleil ou balle. Faut pas regarder dans sa religion. Sans dialogue par le mariage, fia va être dans le monde, ça va être dans le monde, ça va être dans le monde, et puis ça va être dans le monde, ça va être dans le monde. Il divise le mariage là, il crase le mariage là. Et puis, fia va être dans le garçon va être dans le fia encore, va être dans le monde. On va dire l'autre mamzelle, l'autre jeune partenaire qui a abordé, mais si on a des garçons qui ne pas de sens, sont des qui parlent bordel, sont des gars de. Ça est un point. Voilà là. Résultat, vous recevez le résultat, vous recevez le travail pour parler là et instituer ma patrie. Sans ça, vous pouvez le mariage. La parole, c'est pour vous amener à permettre le mariage là. Et il dit. Dernier verset pour finir, Joël chapitre 2, verset 25. Il dit fille. Les filles à Wel, qui étaient qu'on a caché dans chaque fête pour mais je dis à partir de l'État. Filles qui va marcher tout le monde dans la gagne. Comme c'est le bouquet seulement. Filles, tout le monde va gagner la vie pour. Parce que je n'ai chapitre, dans le verset 25, elle dit comme ça. Après le verset 25, dans le jardin d'Éden, je veux que tout le monde ait été par ça. Tellement qu'il y a un mot à gogo. Tellement qu'il y a un mot à gogo. En tant que là, il va voir sur le tout le monde. Parce que confia c'est poussière, conduisir c'est tout. Parce que nous faisons, on sait. Maïa a pris le caractère. Le Dieu Tout-Puissant institue le mariage. C'est pourquoi la couple, le couple doit mettre tout le meilleur de lui-même pour atteindre du lit et de l'existence. L'homme doit aimer sa femme. Sa femme doit aimer son mari. Que Dieu bénisse. Obrigado pela pregação. E merci por votre patience. Obrigado pela tua paciência. E maintenant, c'est avec le groupe élu de Dieu. Agora, para o grupo escolhido de Deus. Uma canção. Até a concordância. Pour mon qui vit dans les mers, on a pas
Mais à terre, on a le temps.
Pour être viable,
pour aimer sur mandat de l'amour inconditionnel et désintéressé, il nous faut une force supérieure qui vient de Dieu et qui nous est donnée par le Saint-Esprit. Cet amour aide les conjoints à tenir ferme contre les tempêtes qui peuvent survenir dans le foyer et à vivre. C'est des bons. Dieu tient à bien pour nous prendre. Il y a un engagement qui s'accroît, qui l'ouvre, qui porte. Jésus même dit dans Matthieu 19, il n'y a personne qui a séparé sans que Dieu lui-même le guide. Donc, même Jean, c'est lui qui nous a dit, c'est encore le temps. S'il y a quelque chose qui n'a pas dit, pasteur, compris, en même temps, pour l'autre, c'est le moment. Car après les déclarations, pour l'aide, il n'y a pas de rejeter. Et rester pour la vie jusqu'à ce que la mort ne sépare. Et certainement, on peut accueillir tous les invités, les familles, et autres de partout. Nous l'avons témoin de l'engagement sans le valier pour nous prendre à soigner. Et nous remercier avec l'Assemblée qui prêtait pour attention. Et nous sommes certains qu'il va continuer de réunir, surtout avec un photographe, un peu de discipline, un peu d'humilité, un peu de patience, un peu d'amour. Car c'est le moment où la sœur et frère Jameson va traverser les obstacles. C'est comme le peuple de Dieu devant la mer rouge. Car avec l'aide de Dieu, le tout puissant, nous passons la mer rouge à glisser. Et je suis certain ce soir, ce couple, donc il va bien nous passer l'obstacle de la vie de solitude, puis rentrer dans la nuit unique. Les deux vont se servir. Et donc, avec la continuité de votre attention. L'honorer en tout temps et en renonçant à toute votre femme, voulez-vous attacher
à une seule, tant que vous vivez tous les deux. C'est Dieu qui vous entend, qui sanctionne et qui vous engagement. Et maintenant, la demoiselle dans la prière, dans son bureau. Mademoiselle Landavier, voulez-vous prendre le monsieur Jameson Laguerre en regardant dans les yeux, s'il vous plaît? Pour voir époux et vivre avec lui selon l'ordonnance de Dieu dans le sein et dans le mariage? Voulez-vous lui obéir, le servir, l'aimer et l'honorer en tout temps? Et en renonçant à tout autre homme, voulez-vous attacher à lui seul tant que vous vivez tous les deux? D'accord, messieurs, nous attendons une question de bénisse pour notre engagement. S'il y a un peu d'émotion, respirez un peu, car il y a quelque chose qui va mal. Regardez le mari est là, la mère est là pour vous remercier, pour accompagner. Et votre cher pasteur Paula, accompagner le leader des capacités. Vous avez dit donc s'il y a l'existence de quelque chose de son bon, pour marquer tout corné, à sa vie, vous apprenez à soya. C'est avec votre cher pasteur pour la consécration de Dieu. Estende as tuas mãos, Senhor, Pai, sobre a vida de cada um deles.